Bonjour les camarades, la fédération souhaite rétablir quelques vérités sur la situation avec le groupe Stellantis. Tout d'abord, nous avons des règles démocratiques à la fédération depuis bien longtemps, qui est sur trois fondamentaux. La première, c'est le syndicat en son sein qui décide avec les syndiqués, acteurs, décideurs de la candidature à porter. La deuxième, c'est une réunion des syndicats du groupe de façon à désigner démocratiquement le délégué syndicat central. Et enfin, ensuite, c'est la désignation par la fédération du DSC en question. En ce qui concerne le cas de Jean-Pierre Mercier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est plus syndiqué dans le syndicat de son périmètre et donc n'a pas été présenté par le syndicat Stellantis Poissy. Malgré tout ça, les syndicats CGT du groupe ont essayé de faire le forcing pour le désigner et ce n'est pas le principe ni la conception de la démocratie de la fédération. Et la seule candidature officielle et légitime qui a été retenue par la fédération, c'est celle de Michael Imhoff du syndicat Trémery. Voilà, merci les camarades. Au revoir.